rencontre avec personnalité dans l'espace public. Je dis, le citoyen de la cité, retrouvez-le sur campus Henri-Christophe Limonade, côté que nous allons discuter avec le professeur de renom, qui c'est anthropologue sociologue de formation, qui c'est historien géographe, normalien supérieur, et en même temps administrateur. Donc, professeur Zanti, c'est un plaisir aujourd'hui pour nous recevoir dans l'espace de citoyen de la cité. Comment nous y est? Bonjour, en forme. C'est un plaisir pour moi, professeur Gédéon, pour nous participer dans le débat de ça, dans le citoyen de la cité. C'est vrai que ça fait longtemps que tu fais une part d'invitation, mais nous avons des chances pour nous être capables de discuter. Donc, nous sommes bien contents avec vous après-midi pour nous être capables de passer l'idée de cette question. Bien, professeur Zanti, c'est un plaisir pour le citoyen de la cité de recevoir. J'en suis dit là, donc ça fait longtemps. Nous étions ce soir pour discussion ça, parce que qui a utile non seulement nous-mêmes et en même temps public, les citoyens et la cité, pourquoi pas la société tout entière, surtout sur discussion que nous allons faire. Donc, nous avons un contexte tout à fait spécial, comme si nous avons une société qui est morcelée par des crises généralisées et qui a un problème anthropologique, j'aimerais me dire, enragé et qui demande que pour chaque grand acteur qui au même nom façon pour l'autre, bon lecture de situation pays d'Haïti. Donc, nous avons un sujet qui est assez intéressant aujourd'hui que nous allons débattre, qui c'est justice sociale et égalité. Mais surtout, nous avons gardé la société haïtienne. Donc, professeur Zanti, vous êtes historien, vous êtes géographe, vous êtes anthropologue, vous êtes sociologue, vous avez dit autant de chapeaux et en même temps ethnologue, autant de chapeaux qui sont capables de permettre nous, non seulement diagnostiquer situation société pays, et situation société, et en même temps comprendre racine, historique, problème côté de l'Irodien, inégalité créante qui gagne, toute forme de ségrégation qui est liée avec société haïtienne et en même temps tout, manquement par rapport avec l'État, capacité de l'État pour assurer la justice sociale garantie. Poser gentil, diagnostic, c'est qui ça y est? Bon, d'abord, je ne l'ai dit là, c'est que nous pas qu'à comprendre le problème d'inégalité, le problème de disparité dans la société, sans que nous pas garder l'origine. Et origine problème non, c'est dans fondement même l'État pays, hein, d'accord, pour nous chercher lui, et plus lointainement nous capable aller tout dans société coloniale, parce que société coloniale, la contradiction qui pral exister, qui existe dans société coloniale là, c'est eux-mêmes qui pral répercuter après indépendance pays, hein, qui pral dans nous, et ça avec résultat manquement plusieurs gouvernements successifs qui pral mener nous vers là. Mais entre temps nous commençons d'abord par société coloniale là, côté que ou gagne plusieurs classes sociales qui existent dans la colonie, blanc, esclave et affranchi. Et affranchi et blanc, justement, c'est deux classes qui possédantes, c'est-à-dire yon gagne esclave, yon gagne terre, et yon chaque gagne yon préoccupation qui pour par eux-mêmes, et d'autre part, ou gagne esclave là même qui là qui au service de chaque classe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Code noir, li ba un ensemble d'obligations à classe possédante, tout comme il ba des obligations à masse servile. Mais cependant, l'on regarde, ou est esclave là, selon code noir, qui régit colonien, eh bien, esclave là, les censés sont bêtes de somme. Vous comprenez? Sont bêtes de somme, il n'y a pas aucun droit. Il est là seulement pour répondre à besoin monétaire. Donc, ce n'était pas considéré comme humain. Exactement. C'est des bêtes de somme. D'accord? Et par conséquent, là, par exemple, toute société a la bougé comme ça, bon moment privé, chaque monde peut commencer par mettre intérêt au devant. Et dans mettre intérêt devant, même colon, même, cap dominé, qui c'est première classe, il peut commencer par faire des revendications à caractère autonomiste auprès de colon métropolitain. Bon. D'accord? Parce qu'il voulait que pour gagner plus d'autonomie, pour gagner liberté de commerce, etc., dans la colonie. Deuxième chose, pour gagner affranchi à même, qui ça le besoin? Le besoin pour gagner des réformes qui fait pour être capable d'égal avec blanc. Donc, revendication, pas c'est égalité avec blanc. Il n'y a pas besoin de système de changer. Il voulait au statut pour arrêter là, mais moyennant, il veut égalité, c'est-à-dire pour lui-même l'abdomination avec blanc. D'accord? Et puis, d'autre part, pour gagner esclave là pour lui-même qui méprisé, qui marginalisé, qui ça le veut lui-même, il voulait liberté. Seulement, liberté tout court. Parce qu'il connaît d'abord, et comme tu as dit, intégration de la société a passé inéluctablement par la liberté. Donc pour cela, il est obligé de lutter corps et âme pour être capable de jouer la liberté. Donc maintenant,
dans la liberté de la presse, il est obligé à affronter toutes les classes. Il n'a pas affronté blanc, il n'a pas affronté affranchis, qu'il considère comme une seule catégorie, qui c'est la catégorie des exploiteurs, et lui-même comme catégorie des exploités. D'accord? Donc, sous ça, il y a lutté, il y a pas le gourmet, donc pour capable d'établir une société qui est plus juste. Et c'est ça qui va galvaniser toute ma servile au fur et à mesure, jusqu'à ce que, en 1789, je vais lancer grande mobilisation, ça, grand soulèvement, ça, qui va aboutir, après 13 années de lutte, à l'indépendance d'Haïti. Maintenant, Cassius, il va opérer là. À partir de 1804, dans l'esprit ancien esclave là, ou bien ancien libre là, il pensait que tout va être fini, ce sera l'égalité, ce sera justice sociale entre tout le monde, etc. Mais c'était bien compté, mal calculé. Parce que bon catégorie propriétaire qui allait, à savoir blanc, c'était dehors, mais catégorie qui l'a franchi, c'est mon qui composait société haïtienne même, qui constituait, à savoir, et comme d'a dit Milato, et puis des anciens libres, d'accord, bien des noirs libres, etc. Eh bien, catégorie ça qui composé affranchis, yo pensé que après départ blanc, c'est yo même qui censé automatiquement bien légitimement remplacer blanc. Donc qu'on y a là, ou pas gagner deux catégories encore, ou vient bien c'est comme si m'ta comme t'a dit rentrer dans la terminologie marxiste là, ou vient gon dichotomie entre deux classes antagoniques. Donc ou gagner la catégorie des dominants des dominés. Voilà. Ou bien des exploitants et des exploités. Donc, vous n'avez pas trois classes encore, vous avez deux. Maintenant, clivage, non. Dessalines, justement, comme premier chef d'État haïtien, il était pensé à atténuer. Surtout, les cités fraisales, il dit que. Les pauvres noirs. Et les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique, parce que l'air lui-même a posé problème d'égalité. Excusez, et réflexionnelle tellement intéressante. Mais approche historique qu'on fait, hein, demander pour un petit gens qu'on campé, surtout lorsque vous abordez la question des salines. Parce que vous autres font une approche historique qui est assez intéressante et considérable pour que vous montrer différentes formes de contradictions et de ségrégation qui peuvent exister dans la colonie. Donc, vous avez dit ségrégation entre blanc et blanc, ségrégation, autrement dit, contradiction entre blanc et affranchi, entre affranchi et esclave, et entre esclave et blanc. Donc, c'est-à-dire que nous avons société polarisé. Justement polarisé, mais véritable monde, véritable exploité, hein, c'est esclave là. Exactement. Bien entendu, bon parenthèse, code noir là, il est capable de dire comme document juridique qui est capable qui a géré la question administration coloniale, le côté de groupe. Oui. Blanc, esclave. Oui. Affranchi juridiquement, pas de existence dans la colonie. Non. Donc c'est dire comme si socialement là, mais juridiquement, pas de gagner un lien qui est défini à franchi. Bien entendu, et même si et juridiquement, il va exister, mais implicitement, à franchi a passé dans la catégorie et dominant des plus privilégiés. Parce que lui-même, il va des sanctions qui prévoit contre lui, voilà. Etc. Et donc, c'est-à-dire, il gagne de propriété, il gagne à la fois terre et esclave. Oui. Donc, c'est-à-dire, c'est propriété, tout, etc. Maintenant, contradiction entre eux-mêmes avec blanc, c'est pour question d'égalité. Et puis, deuxième chose, là, l'école. Justement, c'est-à-dire, il y a des privilèges, comme petit blanc avec esclave, comme si comme mulat, si vous voulez dire comme ça, il y a des privilèges, sauf que, bon bagage qui va gagner, c'est l'égalité sociale entre blanc et affranchi. Oui. L'égalité économique là, de fait, il a, parce que c'est des propriétaires à la fois terre et esclave. Mais sauf que socialement, ils ne sont pas sous le même échelon. Ils ne sont pas positionnés même gens. Et affranchis n'ont pas de possibilité pour administrer la colonie. Non, et c'est ça qui va. Même quand ils ont un exagérant quelque part, ils ont un rôle. Rigo. Et secondaire, quelque chose. Voilà, rigo. Maintenant, le débat, ce n'est pas là le centre plus. C'est après la lutte des esclaves. Donc, parler de convention, ça. La première convention, c'est Moni Bouakaïman qui va annoncer le soulèvement général après 13 années, après 13 années qui pral bail véritablement yon indépendance. L'état, voilà l'état que, nègre, l'état d'Haïti est que. Justement, dans une situation de fait, nous avons une nouvelle nation qui mérite fondée. Absolument. Et nouvelle nation, ça, l'oblige à administrer, l'oblige à gérer. Oui.
Donc, d'où la question du gouvernement de Dessalines avec Dessalines comme ça. Oui. Maintenant, en gade, ils ont sa gade, racine question injustice là, inspiré de la colonie. Bien sûr. Maintenant, voilà que modèle société. Et système politique que Wall mettait en place en 1814. C'est le même système colonial. C'est la reproduction du système colonial. Regardez, dans la politique agraire de Dessalines, le caporalisme agraire, le règlement des cultures toujours de mise, et puis la question de la distribution. Dans l'époque coloniale, là, c'était propriétaire qui était droit pour gagner de vastes propriétés, mais finalement, après l'indépendance, les grands généraux qui ont fait la guerre d'indépendance, obligés de bailler un paquet généraux, justement, des grandes habitations, des grandes propriétés, justement. Et c'est l'âme des vrais réseaux. Et ça vient traduire, reproduit le schéma colonial. C'est l'âme des réseaux. Et cela va commencer à poser cette question-là, tout, même sous des salines. Qui soi-disant a défendu l'intérêt. C'est question ça, je vais poser là, parce que c'est une réflexion tellement intéressant, mais lorsqu'on fait approche de Dessalines, vous voyez qui monte dans la tête. Est-ce que Dessalines, quelque part, c'est pas le premier monde qui va poser base disparité sociale qui va exister dans la nouvelle nation avec séparation de propriétés? Parce que après, le fin chassé blanc quelque part, tout est c'est pour l'État. Mais... Donc Dessalines va le bail terre. Mais c'est qui est-ce qui va être? C'est des généraux. Bon, moi, bon bagage qui me parle ici, qui ont été paradoxal. Et je discute point de vue ça avec un historien, notamment historien Vertis Saint-Louis. Et là, il s'est dit ça, et puis, bon, pas que moi-même, idéologiquement, je me désaligne. Idéologiquement, je me désaligne. Mais, comme professeur d'histoire, je suis obligé de vérifier tout. Justement. D'accord? Et puis, le professeur a dit, mais finalement, tu sais quoi? Dessalines, on a beau faire l'éloge de Dessalines, mais quand même, Dessalines, c'est le premier gouvernement de doublure d'Haïti. Voilà. Bon, ça, il dit, mais comment expliquer ça, professeur? Il dit, mais pour qui ça? Parce que, qui monde qui nommait Dessalines dictateur? C'est les mulâtres, en bonne partie. Les mulâtres, par exemple, soit le garder dans le gouvernement de Dessalines. Soit le garder, par exemple, dans l'acte de l'indépendance, dans la première déclaration offerte, généraux offerte, il dit, nous, généraux en chef de l'armée de l'île d'Haïti, pénétrés par la reconnaissance des bienfaits que nous avons éprouvés envers le général en chef Jean-Jacques Dessalines, nous lui avons donné et nommons gouverneur général à vie avec le droit de choisir son successeur. Ça veut dire qui ça? C'est-à-dire, c'est... Négio Antonio, le dit Dessalines, nous mettons dictateur. Non. Mais attention, c'est pas dictateur peuple. C'est dictateur généraux. C'est pas nous. Donc, ça veut dire que. Et nous finissons avec le dictateur, on va séparer tes bonnes, nous, quantité que nous besoin, tout ça nous doit faire, etc. Et Dessalines nous oblige à incliner. Il va tout négo bonne terre, etc. Après ça, à la dernière minute, il s'est bombardé qui passait dans la tête, il dit, mais eh non, bah, ça me souti. Bon, mais c'est bon, nous, c'est un peu et négo, par exemple, bonne petite macho, cultivateur, nous te dit, il y a le nom dit. N'a pas de pour eux. Et papa ou en Afrique, essayez de papa ou en Afrique. Mais nous mettons au gouvernement, mais c'est pour nous. Et là, ça reproduit et ce que disent les marxistes, la définition même est marxiste de l'État. L'État, c'est quoi? L'État, c'est la reproduction de l'idéologie de la classe dominante. Justement, l'État n'est pas là justement pour protéger les intérêts des masses, mais il est là pour protéger les intérêts des gens qui sont les plus capables, les grands négos, etc. Pendant la progression, là, c'est-à-dire pour des capables de dire, fidèles auditeurs de mission, ça, comprendre nos bagages. Moi, est-ce qu'on se touche là qui est intéressant? Et qui pourra le permettre, nous, même coucher question de disparité et même injustice sociale là? Il se dit, c'est Dessalines comme double. Dessalines comme double, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Mais par contre, c'est le double. Parce que, pas connaître le double. Il y a l'illusion que les gens peuvent voir. Chef. C'est voilà. L'illusion du pouvoir. Mais autour de Dessalines, il y avait les mulâtres comme Gérin, Bois-Antonin. Un groupe faucon. Un groupe, justement, qui au même qui a manage Dessalines. Ouais, c'est pouvoir. Yo. Donc, vous voulez faire comprendre que Dessalines, c'est que l'Ipral, il vient au moment côté que l'Ipral est aussi comme sujet. Comme bien sujet sûr. Politique, qui va dire, bon, ok, voici que moi, obligé de connaître mon origine. Originant, la fondation d'ailleurs. C'est mais là, c'est une question qui n'est pas posée. Regardez le nom. Oh, les masses se sont trahis. Regardez le nom dit du propos de Dessalines. Et les pauvres noirs dont
les pères automatiques, mais est-ce que nous ne sommes pas capables de dire qu'au bout de nous, c'est des nouveaux libres qui ont même été participés dans la bataille pour l'indépendance? Bien sûr! Parce que l'ancien libre était toujours bien terre, était toujours bien avantage. C'est-à-dire que pour des salines, le nouveau libre, ce n'est pas toute la masse des esclaves, mais ce sont ceux, bien entendu, qui ont participé dans la bataille pour l'indépendance considérée comme soldats, considérée comme généraux. Bien sûr, bien sûr. A toujours gagné, disparu, tout ça. Bien sûr. Séparation a toujours inclus une catégorie de monde. Moi-même, personnellement, comme professeur d'histoire, je n'ai jamais dit que Dessalines était opté pour l'égalité sociale. Okay. Mais Dessalines, justement, il travaille pour arriver à un apaisement social. Okay. Parce que l'arrivée sous bail, parce que cultivateur même, qui ça a besoin, il besoin en lopin de terre, il y a une parcelle. Parce que ça, c'est preuve qu'il est libre. Justement, mais, c'est ça. Okay. C'est pour ça que je t'invite à bataille. Oh, Dessalines voulait ça. Des salines d'accord pour ça. Pendant nous bail gros généraux 10 cas ou 15 cas ou 50 cas, mais moyennant moun sa yo par exemple n'a parlé à catégorie de un sa yo, si nous bail au chacun l'opin nous bail on parcelle, donc au moins y a oublié nous. Et yo dou peuple haïtien, li pa mande en pile, bal minimum. Ou mettre gain 10 000 dollars dans poche, ballon dollar là dans ou bien chaque jour lever ou longer l'on dollar. Et puis, chaque fois, on parle au Mali, du papa, on son bon nègre, d'ailleurs, nous, tout est là, nous, pas de bon nègre, là, mais c'est lui, là, chaque jour, ben, on doit là. Il pas besoin pile. Mais, bal minimum. Il n'y a pas d'accord minimum, non. Oh, c'est ça, pour le principal. Et, comme t'as dit, casse-tête pour des salines. Les des salines, regardez l'autre, ça, des salines, elles n'ont pas train, donc, ils sont obligés à affronter nègre. Ou à pas affronter nègre pendant ce temps, force ou, c'est non même nègre. C'est Christophe, c'est Dessalines, c'est Clairvaux, c'est Gérin, c'est même Nexa au Cap Bonne Sécurité. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Oui. Mais c'est même Nexa au Cap Bonne Sécurité. C'est pas comparé là. Non, mais Nexa. Avec Dessalines, il y avait. Nexa pas livré, monsieur Nexa, comme tu as dit ça, il a abandonné, monsieur. Vous comprenez? Parce que. On ne pas tromper. T'as tout le monde entendu, tout le monde déjà consacré à le fait là. Etc. Et personne moun pas d'accord tout dans la logique Michéa. Parce que, question. Parce que là. La question de peuple. Pourquoi m'a regardé un texte Gilles Michelet écrit s'appelle Le peuple. Le peuple. Mais depuis le 18e siècle, Voltaire était déjà défini ça peuple-là. Peuple-là, c'est qui ça? Voltaire disait que le peuple, c'est la canaille. Ça veut dire, son ensemble de gens méprisables. Oh, là, l'idéologie même de l'élite, notamment l'élite haïtienne, c'est que peuple-là, c'est salié. Dans l'idéologie de l'élite haïtienne. Donc, même nèg qui saute dans le peuple-là, premier nèg qui part quoi dans le peuple-là, c'est lui-même. Parce que nèg là lui-même, les petits paysans, les livrés au timon des affaires, qui m'ont voté loi contre paysans, contre intégration, contre des projets, par exemple, qui sont capables d'aller en faveur des paysans. C'est même l'exemple. Oui. Pourtant, c'est plus des paysans. C'est vous, la formation sociale, nous, quelque part, de pas gagner les paysans, pas former, petit-fils. Pour venir défendre, bien sûr. Parce que lui-même, lui-même, comme paysan, il sentit son tâche, bah, ça, il voulait. Et c'est ça qui fait la marche pied à terre pour le voir et petit-fils l'école. Il ne parle pas les créoles, c'est français pour parler. C'est tout qui est dit. Parce que si on ne parle pas les français, c'est la preuve qu'on pas bien apprendre. Donc, pour, comme si pour montrer qu'effectivement, l'évolue. Donc, c'est que la formation sociale, c'est que... Là, c'est ce que l'historien haïtien David Placide appelle l'héritage colonial. Voilà. Donc, l'héritage colonial, là, son bon schéma, son bon, et, comme tu as dit ça, et préjugé, un bon présupposé que nous gagnons, un bon, comme tu as dit, idée que nous gagnons qui peut-être... pas bien aucune logique, et puis, mais qui te compte passer dans la société coloniale, n'a pas reproduit. N'a pas reproduit, et l'idée, ça a nous tellement reproduit, nous venons reproduire même plus bien que blanc eux-mêmes. Parce que blanc lui-même, delta reproduit là où te connons, comme esclave, c'est normal, pour retourner pour tes gens, mais, ou soi-disant indépendant en 1904, nous soi-disant mettons en place en société, nous dit tout le monde là-dedans, tout le monde c'est haïtien à part entière, et devise nous, c'est liberté, égalité, fraternité.
Pendant ce temps, nous pas ni frère, nous pas ni égal, nous pas ni libre. Et là, ils ont établi, après 1804, qui ça, monsieur, ça a été ensemble avec Dessalines, non, qui a fait l'union des Noirs et des Mulattes là, qui ça a fait? Ils ont établi une sorte de pouvoir qui chita seulement sous couleur de la peau. C'est ça, historienne et Florence Gauthier relé, l'aristocratie de l'épiderme. C'est-à-dire, en fonction, la couleur de la peau, tant que professeur Vertiste a dit, eh bien, les conférer à la fois et pouvoir et argent. C'est-à-dire, c'est normal de prendre des rouges, donc, dès que ça pas doit passer misère, c'est normal pour le pouvoir, non, mais le pari doit marcher à pied, etc. Même moi, même avec les noirs. Donc, c'est normal pour nous misère, c'est normal pour nous bagousser des barrières, parce que, qui couleur ou noir, c'est un petit paysan, etc. Et c'est comme ça, nous établissons la société, nous avons un bon monde et l'attitude pour être capable de dominer et l'autre monde qui vit bas. Bien, et pour ce gentil, on se fait une approche historique de l'essai et en même temps, tout ce qui est rentré dans l'environnement, surtout notre formation, l'être haïtien, qui va déterminer quelque part pour nous, en absence de ces communs, qui va déterminer nous ensemble, qui va déterminer notre terre, même lorsque, de manière illusoire, par tout utopique, nous considérons comme haïtien. Bien sûr. Lorsqu'il y a un problème, un problème d'habitat. C'est pas répété pour le Géraldo, l'habitat, c'est plutôt habiter l'espace, pas reconnaissant avec l'espace. Mais dedans, par rapport à l'approche que je fais d'ailleurs, parce que je disais tout à l'heure, et c'est que pour comprendre une question justice sociale, question inégalité, dans la société haïtienne, on doit calquer, regretter sous des capacités de société coloniale. Bien sûr. Donc, comme une société post-coloniale, nous rapatrier quelque part comme en fait, l'héritage, bien sûr, tout ça qui est gagné dans la colonie, comme votre addiction, et nous venons avec nous dans la société. Mais dans la colonie, là, on garde ça du fait que, dans cette valeur, avec des salines déjà inégalités pour nous, c'est reconnu, et surtout des salines qui sont venues avec politique et politique publique qui reposent sur l'agriculture, de Caporal Saint-Vert, commandeur travailleur, c'est toujours bon nec qui chef, qui prend le travail, okay? Et en même temps, tout le monde se dirige. Mais tout de suite après Dessalines n'a pas passé 2 ans au pouvoir. Bien sûr. Dessalines n'a pas passé 2 ans au pouvoir. On nous dit c'est pour 2 initiatives, bataille pour l'égalité, quelque part, même pas carrément nous expliquer, parce que nous n'avons pas une sauce historiographique, nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas raconter comme ça. Mais on dit pour Dessalines mourir, mon souci pour retirer corps, va mettre corps. Bien sûr. Parce que on dit Christophe Pétion Antonio. Ah non, alors bien entendu, aspect ça, son aspect que historien Claude Moïse développait très bien dans la constitution élite des pouvoirs en Haïti, toute l'histoire d'Haïti. Alors, l'historien Alain Thunier parlait tout dans un livre qui est Les sociétés des baronnettes. Donc, depuis 1804, depuis nous finissons. Pour l'indépendance, la société a fait ça sous contradiction, ça, en question, lutte pour pouvoir. Tout le monde a besoin de pouvoir. Mais ce n'est pas pouvoir pour nous faire grand chose, c'est pouvoir parce que pour montrer que c'est mon chef. C'est moi qui représente le colon, je veux dire. Donc, personne n'a pas gain de droit, c'est moi qui gain de droit. Et là, comme tu as dit ça, nous chita à un pouvoir, alors, non logique, pouvoir qui chita sous. Le culte de la mort. C'est-à-dire, si je n'ai pas un pouvoir, comme tout le monde. Une autre chose, c'est que, est-ce que ça n'a pas donné un héritage, on dit, bon, dans le sens de l'écologie, ça ne suit aucune de question pouvoir. Pouvoir en même, c'est qui est capable. C'est parti de notre logique, c'est que nous sommes capables. Oui. Parce que nous sommes tous esclaves, ou esclaves, bien entendu. Nous bataillons pour la liberté, et nous tous dans la même situation, nous tous dans la même situation, nous tous dans la même situation. Et dire le pouvoir, c'est dire ce privilégié. Privilégié, capacité pour dominer l'autre monde, pour exploiter l'autre monde, pour imposer la loi pour. Sans ce pouvoir, c'est ça. Bien sûr. Donc, qui fait que, quelque part, on va pas dire, si on permet moins,
pas une possibilité pour nous construire l'état serviteur, mais si on l'état, comme si la jour, et c'est pas l'état serviteur, mais c'est un état privilégié, on va dire, on l'état serviteur, on l'état succès. Si nous d'après le cas, c'est un mais pour nous, la question de justice sociale, comment nous-mêmes sommes capables de comprendre ça? Bon, là, nous dit justice sociale. Pas oublier que, concernant justice sociale là, en pile mon utilisé, le sociologue utilisé, mais moi-même, comme t'as dit ça, qui grand théoricien de question de concept ça, c'est un philosophe américain qui s'appelle John Rawls, d'accord, de The Idea of Justice. Donc, c'est un livre comme ça, qui est extrêmement intéressant. Alors, l'idée de justice là, tout par exemple, li ma konnen a sa ni te kapab rele yon logik kote ke gen yon politik ki mette an plas justement pou redistribisyon de resous. Paske lò pren, par exemple, selon donè ki egziste, par exemple, ki so a donè Bank Mondial, ki egziste sou Haiti ou bien FMI, etc., Haïti paraît qu'on a une société qui est plus inégalitaire au monde. 95% des richesses du pays, donc contrôlées par une minorité, justement, de 5% au monde, justement, à peau claire, etc. D'accord? Donc, 5% au monde, ça, il y a détenteur de tous les pouvoirs, et il y a contrôlé même, et ce système politique-là, d'accord? Toute bagaille nette, question banque, économie, toute bagaille sous contrôle. Yo. Et depuis tentative de Saline fait pour dénoncer Negio, monsieur, est-ce que, yon, comme d'a dit ça, yon prétexte, jusqu'à présent, pour qu'on gagne aucune politique qui mette en place pour atténuer question ça. D'accord? Bon, maintenant, si nous regardons le niveau de vie société, ou gagne à peu près, et selon statistiques Banque mondiale toujours, vous gagnez 70% à 80% monde en Haïti qui vivent en deçà du seuil de pauvreté. C'est-à-dire avec moins de 100 dollars américains par jour. D'accord? 70% monde. Donc, le taux de chômage, son bagage qui dépassait 60%. D'accord? Taux de chômage. Donc, là, regardez, par exemple, et en matière de services sociaux de base, donc, là, pour le secteur de la santé, par exemple, combien de médecins ont gagné pour 10 000 habitants selon OMS OPS, ont gagné à peu près 1 médecin pour 10 000 habitants, 3 infirmières pour 10 000 habitants. D'accord? Donc, là, vous avez, par exemple, 95% de la population haïtienne n'ont pas accès à l'eau potable. D'accord? Ça, c'est selon EMUS, justement, qui c'est une étude de l'État haïtien commandée. Donc, quoi, pour que donc, en termes de services, pas de services sociaux du tout. Regardez en termes d'éducation. En termes d'éducation, l'État dispose seulement de 20% d'écoles. La République, 80% des écoles sont privées. Et là encore, en termes de qualité, ce sont des écoles qui laissent à désirer. Parmi 80% d'écoles, ça a que... Justement. Et là, vous gagnez des écoles capables d'appliquer toutes sortes de programmes. Et nous n'avons pas un programme national. Donc, ça veut dire... citoyenneté haïtienne, c'est à ce qui ça. Identité nationale, c'est à ce qui ça. Donc, en termes de nous parler, par exemple, de véritables manuels de géographie, de véritables manuels d'histoire, de véritables manuels d'instruction civique, pour dire, mais comment nous voulons l'État haïtien fonctionner, mais qui type de citoyens haïtiens nous voulons? Ou bien, mais comment répartition richesse doit faire? Pour qui ça, par exemple, market show, et gros restaurant yo et service traiteur yo par exemple c'est moun rouge qui ka gagné yo pendant ce temps nous pas gagné Toussaint par exemple nous pas gagné Dessalines nous pas gagné Prévost nous pas gagné comme d'être capable dire yon tonnerre d'accord qui capable nous pas gagné yon Amboise parce que tout le monde ça c'est non ça qui donne non ça m'a parlé là c'est non des signataires de la demande pas gagne un monde ça possède un market qui possède un magasin qui millionnaire dans le pays mais qu'est-ce que ça veut dire mais c'est ça poser pour les mégas c'est là pour la c'est deux noms qui disparaissent l'histoire bien sûr comme tu as dit élite
partage société haïtienne. Bien sûr. Donc c'est là que c'est véritable signe. Même dans la politique, là, nous ne pouvons pas conserver. Nous devons perdre l'économie. Nous ne pouvons toujours pas gagner. Par exemple, si nous prenons la famille la plus riche aux États-Unis, Rockefeller. Donc, mais le père fondateur des États-Unis, c'est le père fondateur, c'est Quincy Adams, c'est George Washington, c'est Penn, etc. Donc, pas de problème. Mais, héritage politique là, on ne peut pas. C'est-à-dire, on ne peut pas un héritage politique avec les Dessalines, un héritage politique avec les Christophe, etc., les Toussaint. Mais là, nous pas de héritage ni politique, ni culturel, ni économique. Mais est-ce que ça tout, quelque part, nous n'est pas capable de dire que l'héritage politique n'a aucune expression sur l'aspect social et culturel, sur l'éducation, mais ça, une question ça, est-ce que nous n'est pas capable de dire que peut-être ça lié avec cassure, qui, on va dire, avec la mort de Dessalines, quelque part, qui coupait gêne. Couper gêne, tu es capable de dire embryon, l'État haïtien. Qui ça me dit ça là? C'est-à-dire, avec Dessalines, c'est à partir de 1er janvier 1804, déclarer nos indépendants, déclarer nos nouvelles nations, c'est point de départ, c'est date de naissance de l'État haïtien. Bien sûr. Maintenant, on l'État, t'a dit, qui prend naissance, qui a une nécessité pour construire une base idéologique, oui. Là, et qui doit décider pour définir sens commun et tout ça va le partager dans la société, en fait, par directive avec la société. Ouais. Pendant que, bien entendu, va expliquer des choses importantes que les gens déjà pour capable de construire ça, pas gagner histoire, pas gagner société sans mémoire. Bien sûr. Et je ne vais pas gagner en parenthèse, en là, je ne sais pas en termes de mémoire qui est sur l'esclavage, c'est la bataille pour l'indépendance. Bien sûr. Ne pas gagner un lien encore capable de permettre d'identifier que nous, c'est des anciens esclaves. Bien sûr. Qui ça, bataillement, les diplomates? Qui ça, il est capable de dire, négrier, vous l'avez dit, côté esclave, vous êtes comme on dit, au dit, quoi, vous savez, en fait. C'est une nation côté qui est comme des esclaves. Mais l'autre dit bois caïman, là encore, on a l'autre problème. Avec le néocolonialisme, bon, le néocolonialisme, c'est un terme que l'historien Alain Turnier introduit dans le livre, il y a plus dans plusieurs autres articles qui s'est publié dans la revue d'histoire contemporaine. Mais c'est abordé la question néocolonialiste. Mais néocolonialiste, là, en grande partie, il participait dans sa nouvelle politique de l'oubli. Alors là, Ricoeur, on texte qu'elle écrit sur ça, sur question mémoire et oubli, etc. Parce que la mémoire comme l'oubli, comme disait l'historien Michel Hector, ça fait partie des politiques de l'État. Ça veut dire, dépendamment de qui type l'État est, il a décidé de mettre en place une politique de l'oubli, ou bien une politique de la mémoire. Justement. Au développement en société. Par exemple, l'histoire du Duvalier ici, en Haïti. Pourquoi, justement, cette histoire n'est pas enseignée? C'est là, on va arriver à... Son politique. C'est que, nous appelons les chaque matin, bien sûr. Ah oui. Oui, on nous enseigne ça, mais on quitte ça, on ne pas enseigner ça. On sait que ça devient un thème, comme signature, des outils, de mémoire, capable de permettre de dire que ça ne se passe pas. Bien sûr. Mais comment le représenter? Et à partir de là, mais côté de nous. Mais là, si nous regardons même dans le système scolaire noir, et nous, l'école là, justement, il contribue à plonger nous plus dans, et ça ne peut pas aller dans la colonialité. D'accord? Et là, on texte Jacques-Michel Goug écrit que les manuels scolaires haïtiens comme outil de transmission de la colonialité. Ça veut dire que dans le manuel, le schéma colonial, l'héritage colonial, il y a reproduit tel quel. Et puis, nous-mêmes, si nous qui l'a supposé, comme tu as dit ça, réveiller pour être capable de prendre conscience, pour construire une nouvelle société, etc. C'est même si nous qui continue à répéter le même bagaille colonial, le même schéma colonial, ça qui fait que nous ne pouvons pas avancer. C'est une bagaille que nous avons dans la métropole, l'ancienne métropole. Viens faire l'école, viens faire le livre pour nous, viens prendre. Alors moi-même, toujours, il est le prêtre d'instruction coloniale. Colonial. Oui.
C'est intéressant, c'est Oui. vraiment les propres. Oui. Les propres, parce que c'est ça le thème. Oui. Okay. Son éducation coloniale. Justement. Mais quand on a parlé d'éducation, c'est que ça n'a pas de possibilité pour poursuivre véritablement l'État et en même temps la nation. Parce que de 1804 à 1806, et 17 octobre 1806, c'est un pas véritablement de 2 ans. Non, mais historien, il y a daté crise là, crise haïtienne, non? À partir de 17 octobre 1806, la crise a commencé. Et depuis là, crise là, pourquoi j'en brise? Il y a le schisme, cette séparation du territoire entre Christophe et Pétion. Donc, nous avons la République de l'Ouest et du Sud avec Pétion, et en même temps, le Royaume du Nord avec Christophe. Non, mais qui s'est conduit là? Historiquement, c'est les mêmes causes produites, les mêmes effets. Christophe a accepté la liquidation de Dessalines, parce que selon la Constitution 1805, c'est lui-même qui successeur naturel du général Dessalines. Mais ambition pouvoir, là, puisque nous parlons de approche théorie Claude Moïse développée, Constitution et lutte de pouvoir, tout n'est toujours été que c'est le chef, c'est l'assemblée chef là. Comme c'est l'assemblée chef là, eh bien, Pétion dit attention, Christophe pas comprendre moins bien. Ça veut dire, on t'a planifié quoi. Et puis, pour moi, c'est pensé qu'il me balle le pouvoir comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. L'Iguetan courir, elle font révision constitutionnelle pour retirer tout pouvoir, non, mais, président, et gouverneur général à Via, pour le voyer, dans le Parlement, dans le Sénat. Comme c'est lui qui contrôle le Sénat, etc., automatiquement, Christophe a bien pouvoir en capoal. Christophe a compris. Comme Christophe voit son double qu'il voit lui, et lui-même, caractère, pas permettre lui en double, et lui-même, qui t'a considéré comme un gros chef, etc., et bien, vous même pété, et bien, il aboutit à ce pays. Le chef du Nord. Bien sûr. Bien. Maintenant, et pour le finir, parce que normalement, pour terminer, en termes clairs, parce que l'émission de côté sur ça, c'est que nous parlons un peu du sport, nous permettons de saisir ensemble de disparités, etc. En termes clairs, lorsqu'on a parlé de justice sociale et de solidarité, c'est qui ça nous voit. En termes de perspective, pour moi, la société haïtienne, lui-même, est capable, non moment où on doit, garantir le minimum de justice sociale. Bon, premièrement, les noms de justice sociale. Justice sociale, là, les chita, ce qui ça? Les chita, sous, il y a une politique qui visait justement à garantir un minimum de satisfaction, à donner un minimum d'accès à chacun. Ça veut dire, par exemple, moi-même, personnellement, j'ai toujours pensé que le terme égalité, c'est un terme impropre. Il ne peut pas y avoir d'égalité. Et dans aucune société du monde, et à aucune époque de l'histoire, pas de jamais égalité. Et il ne peut y avoir d'égalité. Lorsqu'on regarde, ou fait université, ou fait maîtrise, il y a des gens qui font doctorat, etc. Et puis il y a des gens qui ne sont pas à l'école. Ils n'ont pas qu'à parler pour nous tous. De sociale, bien sûr, nous pas qu'à gagner même poids, nous pas qu'à gagner même valorisation, nous pas qu'à gagner même accès. D'accord? Donc, sur cette base, pas qu'à gagner égalité. Mais par contre, capable de gagner justice sociale. Justice sociale, ce n'est pas l'égalité. Justice sociale, c'est donner accès, justement, à un certain nombre de services. Donc, permettre, une certaine redistribution dans les ressources du pays, justement, à certaines catégories qui sont marginalisées. Ça, c'est, nous, les justice sociale. Ça, nous ne pas arriver là. Nous ne pas arriver là. Par exemple, les gens qui parlent l'école, faut qu'ils aient l'école, faut qu'ils aient l'école pour eux, faut qu'ils aient l'école dans la rue, faut qu'ils aient l'hôpital, faut qu'ils aient l'école. Mais les gens qui aient l'école, c'est pas un château là, bien. C'est pas un cas qui coûte combien de millions là, bien. Mais un petit cas qui, mais un petit logement décent qui a voisiné 20 000, 30 000 dollars, il a rien, il va 10 000 balles, combien de millions. Là, il mérite. Faut qu'il ait accès à de l'eau potable. Son minimum pour chaque citoyen. Donc, mon nom, les papas, il y a même traitement avec les qui gagnent combien de millions, des centaines de millions, mais mon nom, il mérite accès à l'eau potable. Bien sûr. Petit, il y a un droit pour aller à l'université. C'est pas à Vadli pour aller, c'est pas à la Sorbonne pour aller, c'est pas, l'université de Hambourg qu'il va aller, mais l'État à l'université côté de recevoir une formation, et formation, ça, qui permet d'intégrer dans la société. Là, c'est possible. C'est possible. Faut que, gagner un système politique qui met en place, qui valorise ça, qui fait promotion pour ça, qui mettait des moyens, des politiques publiques en place pour arriver vers ça. Là,
Nous pensons ça possible. Mais en termes de l'égalité parfaite, ça n'a jamais existé. Société américaine n'a pas gagné égalité et parfaite. D'ailleurs, ceci est tellement vrai. Jusqu'à présent, nous sommes en 2024. 40 millions d'Américains n'ont pas gagné accès à la santé. 40 millions d'Américains n'ont pas gagné accès à la santé. Justement, bien sûr. Et là, regardez, même dans la question du régime de prison, population carcérale aux États-Unis, eh bien, le plus grand nombre de population carcérale au monde, c'est la population carcérale des États-Unis. D'accord? Donc, pas d'égalité. Mais par contre, la justice sociale, ça existe. Chaque monde aux États-Unis gagne accès, système n'a pas l'accès pour gagner caille, système n'a pas l'accès pour petit à l'école, système n'a pas l'accès pour gagner de l'eau potable, système n'a pas l'accès justement pour le manger au moins une fois par jour. Donc, ça, c'est possible. Donc, parce que nous arrivons vers là, nous arrivons vers là si, justement, gagner des mécanismes qui mettent en place pour d'intégration, gagner tout, comme tu as dit, si nous regardons des catégories, femmes et autres comme catégories marginalisées, faut que nous, parce que là, dans la statistique qui existe sur Haïti, on montre que, attendez, oui, si nous regardons pour Haïti, dans la quantité pauvre, nous gagnons 70% de monde qui pauvre dans la société, il y aurait majoritairement 80% dans eux, c'est femmes. Et c'est femmes avec paysans. Donc, par conséquent, il faut que yo assure l'autonomisation des femmes pour que, et ça résout deuxième chose, il faut continuer à faire la promotion pour l'éducation des femmes aussi, parce que plus les femmes sont éduquées, plus elles sont autonomes financièrement, eh bien, il y a fini par tirer épingle du jeu, sortir dans la pauvreté, etc. Là, moi, c'est ça, c'est une façon. Alors, aux États-Unis, il y a un thème, il y a les positive action. Donc, c'est une façon pour que, une catégorie qui marginalisée, ou permettre que, justement, ou réhabiliter lui, ou bah, des moyens pour capable de sortir de ça. Bien, et, pour ce que j'ai dit, c'est réflexion, de commencer, de mettre pour continuer. Mais comme étant donné que nous n'avons pas tout le temps, n'a obligé pour passer, nous tenter, mais, faut que développer davantage, et, question ça. Et déjà, bon, c'est à moi de vous remercier. C'est un grand plaisir le fait que nous fassions un balbou ça ensemble dans l'émission des citoyens et la cité. Bon, c'est que réflexion ça est utile parce que nous, comme professeur, comme universitaire, pour nous faire débat des sociétés parce que il y a plus gros problème qui vient dans la société haïtienne, c'est l'absence de débat. Personne ne parle de discuter sur rien, mais nous voulons les problèmes résoudre. Mais bien sûr, mais comment pour problème résoudre si problème n'est pas posé? Un problème qui n'est pas posé, il n'est pas capable de résoudre. Donc, pour résoudre, d'abord, faut que les poser, et faut que nous toucher plein à du doigt, pour être capable d'une solution qui est appropriée, parce que c'est pas société qui a résoudre problème ni comme ça, mais c'est citoyen, yo, justement, qui a mettre au service de cité, justement, pour être capable de résoudre problème. Bien, merci, c'était avec vous, le citoyen de la cité, qui a pour ce mission de l'actif, qui est historien, anthropologue, géographe, normalien, et administrateur de l'Université université, qui a parlé avec nous. Je vous dis un bien social. Merci. C'est un plaisir. À la prochaine. Merci.